lumière sur lumière. A-t-il une fin, cet univers? Toute chose unie vers une lumière, tout est lié dans une biosphère. De la particule élémentaire jusqu'aux confins de l'univers, par l'eau, le feu, l'air et la terre, l'ordre du vivant est extraordinaire. Magnificence à chaque degré, témoin d'une science très élevée, ouvrir les yeux et le voile est levé, c'est l'ode à la vie que je vais vous conter. Par ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, par ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas, par la matière et la dark matière, par le réel et l'imaginaire, par tous les doubles complémentaires, voici l'univers et ses mystères. Commençons par le plus, le moins, l'intermédiaire. Proton, électron, neutron, charge élémentaire formeront l'atome socle de l'élément air comme de l'élémentaire. On le retrouve aussi bien dans la mer que dans le désert. Ainsi, nous voici dans la matière. Au degré d'ordre supérieur, les atomes forment des molécules, à chacune sa longueur et le message qu'elles véhiculent. Les êtres ne sont pas en reste dans cette énorme bulle. Quatre molécules symbolisées par quatre majuscules, c'est le langage que le vivant a choisi pour exprimer la vie, et ces lettres formeront des gènes, voilà comment il écrit vie. Puis ces gènes forment l'ADN pour quand chaque être s'écrit la vie. Lumière sur lumière à l'infini, voyez comme l'ordre s'est poursuivi. La vie est à la fois un rêve et une réalité, car le plus beau des rêves s'est réalisé. Chacun de nous a eu l'honneur d'exister. Tout a été ordonné. Degré sur degré, la vie ne cesse de se déployer. La vie des sceptiques ne pourrait m'éloigner de la splendeur du ciel étoilé, de la grandeur d'une science inégalée. Mais dites-moi, combien y a-t-il d'alphabets? Le vivant exprime un langage qui ne tarit jamais. Le quark ordonne la particule, qui ordonne l'atome, qui ordonne la molécule, qui ordonne le gène, qui ordonne l'ADN, qui ordonne la cellule. Septième degré, de ce que je vois, de ce que je sais. L'univers exprime l'unité pour unifier les vivants. La cellule est l'unité fondamentale des êtres vivants, structurant aussi bien la rose que l'enfant. Comme à chaque degré, elle est l'unité d'un dessin bien plus grand. À chaque cellule, sa fonction. Il y a celle du cœur, du cerveau, du poumon. Elles traduisent l'information, puis l'inscrivent dans l'action. Je n'ose vous dire leur niveau d'organisation. La biosphère est sans fin et sans faille. Une ascension perpétuelle où rien ne défaille. L'œuvre est royale jusqu'à l'infime détail. Le vivant nous ordonne jusque dans nos entrailles. Au degré supérieur, à la cellule, il y a l'organe. En grec, ça veut dire instrument. Le corps est mélomane. Et quand il chante à l'unisson tous nos organes, c'est la plus belle des symphonies qui en émanent. Car, tenez-vous bien, au degré supérieur, il y a l'humain. L'être qui sait ordonner, mais qui ne sait pas ordonner lui-même. L'être qui sait penser, mais qui ne sait pas penser lui-même. L'être qui sait parler, aimer et raisonner lui-même. Quelle belle leçon d'humilité. L'union de nos unités se nomme l'humanité. Superorganisme, c'est le nom de ce degré. Le vivant semble dire pas de place pour la vanité. Car si tu sauves une unité, ainsi tu sauves l'humanité, ne vois-tu pas que de la vie, l'ordre et la finalité, ne vois-tu pas que de la paix surgit la vitalité, ne vois-tu pas que le désordre, ce n'est pas la liberté, ne vois-tu pas l'amour dans tout ce que je t'ai donné? Alors regarde. Langage sur langage, degré sur degré, lumière sur lumière, voici la biosphère. Des végétaux par millions, pour nous nourrir, nous guérir, pour écrire, pour sourire et aimer. Des créatures par millions, pour nous nourrir, nous vêtir, nous abreuver, nous véhiculer, nous aimer. Des paysages par milliers, pour nous loger, pour marcher, pour voguer, voyager et s'émerveiller. Trois entités en interrelation entre le ciel et la terre,
qui s'échange l'énergie, l'information et la matière. Ce degré, c'est l'écosystème, une unité planétaire. On dénombre 14 macro-écosystèmes terrestres sur le planisphère, sans compter les écosystèmes aquatiques, des récifs au delta en passant par les rivières. Ainsi, les vivants, les écosystèmes, les écopaysages, du noyau à l'atmosphère en passant par la lithosphère, degré supérieur, le vivant a ordonné la Terre. Gracieuse et noble, cette unité se nomme planète, dessine les saisons comme un peintre et sa palette. Des millions de tonnes d'eau dans un nuage flottent au-dessus de nos têtes, et c'est la vie qui tombe du ciel en flocons ou en cordelettes. Par l'eau, le feu, l'air et la terre, par la lune, le soleil, le ciel et la terre, par le satellite, l'étoile et la planète mère, le vivant a ordonné le système solaire. Une lune pour générer les marées, un soleil pour tous les réchauffer, une terre pour tous les envelopper, une voûte céleste pour compter les années. Et notre système se trouve dans la Voie lactée. Une galaxie, c'est le nom de cette unité. On en compte des milliards dans cet univers qui ne cesse de se déployer. Alors, par le vivant, j'entends cette force prodigieuse qui a tout ordonné, langage sur langage, lumière sur lumière, degré sur degré. Par cette ode, je tenais à remercier le vivant pour la multitude de bienfaits que je n'ai pas su dénombrer. I'm gonna show you how great I am.